je suis Bob Lennon, et bienvenue sur Conan Exiles. Oh, le plaisir, et on est avec le petit Fanfan. Bonsoir Fanfan. Voilà, sur Conan Exiles, et bienvenue sur Fantabob Games, les amis, où aujourd'hui nous allons partir dans une aventure incroyable en coop dans l'univers de Conan, avec Boban le Warrior et son fidèle compagnon, Monsieur Pop. On voilà. Est bien, on est là, et on va créer les personnages dès le début devant vous, chers amis, pour aussi se rejoindre directement sur un serveur. Alors voyons voir, choix du sexe. Alors il faut savoir que dans ce jeu, la nudité est totale, mais bon, pour les bienfaits de YouTube, nous ne montrerons pas de bip. Pas de bite, pardon, mais voilà des seins. Voilà des seins, déjà on commence l'épisode direct. Direct, on a guiche. Voilà, direct, on, voilà, c'est putaclic à souhait. Et voilà, la promesse. Après bite, dans les 30 secondes, des boules dans la première minute. Et dès le début, chers amis, on nous met de la musique de Polydoris. Mais c'est pas la musique de Polydoris, exactement, pas la musique de Conan. C'est une espèce de remake, en fait, une reversion. Et je trouve ça pas mal du tout. C'est un peu comme The Elder Scrolls Online, en fait. Alors, c'est pas du tout une OPSP. On part dessus pour s'amuser avec le Fanfan. Et du coup, on peut choisir la race de notre personnage. Alors, Iborien, Cimérien, Stygien, Himélien, Hyrcanien, Kitan, Kushite, Homme du Nord, Picte, Shemit, Darfari, Zamorien, Vendien et Zingarien. C'est pas mal, hein, c'est vraiment toutes les races de Conan. Je voulais quand même préciser avant que ça sorte en commentaire et qu'on ne voit que ça, effectivement ça ressemble beaucoup à Ark avec d'autres avantages a priori. Et puis il y a beaucoup de youtubeurs sur Ark et nous l'univers de Conan, surtout Bob, c'est vraiment ses références d'enfance, il faut à tout prix on peut choisir sa religion. Oh, on peut choisir Mitra qui est une bonne déesse, qui est un bon dieu, c'est le dieu de la justice. Yogg, dieu des cannibales, c'est pour les Pictes. Seth, c'est pour les méchants, c'est le dieu des serpents et des sacrifices. Et Krom, c'est pour les vrais hommes. Et enfin, on peut choisir les voix. Les gods sont watching. Death is coming. Cut me down. Death is coming. The gods are watching. Alors, Fanfan, est-ce que t'as testé toutes les voix? Voilà, la voix numéro 6 qui me fait marrer, chers amis, pour la bonne cette unique raison que... Voilà, c'est ça. T'as la voix... J'aime bien, t'as la voix numéro 1 qui a... La mort arrive. La voix numéro 2 qui est là... La mort vient. La voix numéro 3 qui est là... Nous nous battrons. La voix numéro 6... Hey. Mais c'est... Voilà mon cousin Olaf. Olaf, bonsoir. Olaf, 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 Olaf et Steve. Hey. Allez, vas-y, on va se prendre une voix. On va choisir les visages. Je vais voir les tronches qui est un peu disponible. Oh là là, il y a des belles têtes quand même. Ouh, mais j'aime bien la tête numéro 3. Oh là là, il est beau. Oh, il a un bon angle. Surtout, il a une quantité de mascara sur la tronche, chers amis, qui est absolument délicieuse. Alors, voilà, les coiffures qui sont disponibles sont pas non plus ouf, il y en a pas à l'infini, mais elles sont très conaniennes dans l'idée. J'ai envie de dire, c'est des coiffures que tu vois soit dans les films, soit dans les univers, soit dans les images faites par je ne sais plus quel dessinateur, tu sais, celui qui fait les grandes images Conan, là, qui sont sublimes, oui. Les trucs que t'as envie de les imprimer en tableau, quoi. Oh putain, je peux faire Lucius Malfoy, mon gars. Lucius Malfoy, pour le plaisir. Voilà. Il y en a un avec les longs cheveux, mais dégarni sur le dessus, il est rigolo. Par contre, on peut pas mettre de pilosité faciale si on est cimérien, ce qui est normal, parce que les cimériens n'ont pas de pilosité faciale. Il faut savoir, c'est un des trucs de Conan, hein. Les cimériens n'ont pas de pilosité faciale. Je peux mettre du fard à paupières, mon gars. Vas-y, les vrais hommes mettent... Bien sûr, les vrais hommes mettent du fard à paupières, hein, tu rigoles, mais... En 2030, Exactement, exactement. Largeur de la mâchoire, largeur du menton, on va lui mettre un giga-menton viril, voilà. Les joues, on va rien toucher, en fait. Le nez, on va le laisser, la bouche, on va le laisser, les oreilles, on va le laisser. Alors moi, je suis obligé d'attendre que Bob ait fini pour pouvoir faire mon personnage, mais vous inquiétez pas, j'ai déjà le mien en tête. On va lui mettre des yeux marrons, on va pas... Oh, il est beau comme ça, moi, j'adore. On peut lui mettre des yeux violets, ça fait aucun sens. Bob, les yeux violets, ça existe. Oui, mais c'est des yeux bleus, en fait, qui sont éclatés avec des capillaires de sang qui ont pété dedans. C'est pas vraiment les yeux violets. Enfin, si, ça l'est, mais... On peut choisir la taille du corps. Bien sûr, on le met énorme. Je peux choisir la taille des seins. Oh, je peux lui mettre des pectoraux. Des pectoraux nudité totale. Non, on peut pas. Malheureusement, le serveur ne l'autorise pas. Taille de la vie... Taille de la V, bâton. C'est la taille de Resident Evil 7. Je pense que c'est la taille de la bite. Bien sûr, maximale, hein, évidemment. Il n'y a absolument aucun respect. Bob Lennon, The Cimérien, damné à mort et à l'exil pour divers crimes, incluant corruption de garbe, combo skip, corruption de la jeunesse. Alors, corruption de la jeunesse, merde, le jeu sait. Voilà. Le jeu sait. Corruption de garde, ok. Et combo skip. Alors, combo skip, je sais pas ce que c'est, mais c'est un peu le...
Alors, il s'agit d'un jeu de survie où il va falloir crafter des choses et prospérer progressivement dans stuff, fabriquer des genres de maisons, châteaux et autres forges à la con. Il y a un système aussi de religion, il y a un système de corruption aussi. Tout à fait. Vous verrez les terrains qui sont, comme ils le disent, impraticables à certains niveaux. La corruption de la jeunesse, c'est le premier truc que tu fais dans le jeu, évidemment. C'est pour ça que tu finis sur la croix. C'est ça. Oh, il y a une cinématique. Il y a une justice, Il y a une cinématique et une cinématique. Ça parle en anglais, mais c'est pas très grave. Pour la petite Sophie, 8 ans. Hein? Oh, je me fais libérer par Conan en personne, c'est beau. Oh. Mec, soulève mon pagne. Tu vas voir qu'on est frères. Oh, misère. Ah, il est en train de m'expliquer que ça aurait été peut-être été plus sympa de me laisser à mourir sur la croix que de me libérer sur ces terres d'exil. Mais non, t'en fais pas. Je vais penser à Marilyn Monroe, je vais frapper des tortues avec mon gourdin et ça va bien se passer, ça va bien se passer. Ouais. Finalisation du monde et... Tranquille, bien sûr. Ça y est, oui, bien sûr. Ça y est, j'y suis. Moi, j'y suis, mon cher Fantin. Alors, moi, tu peux me rejoindre, je vais t'inviter. Je vais inviter le fanfan, il est où? Invite-moi, mon petit Bob, et je te rejoins le plus vite possible. N'oublie pas de faire une petite ellipse. Hop là, est-ce que je suis bien monsieur propre, dis-moi? Ah bah voilà, on est là, on est bien The Fantasio. Oh là là, c'est Monsieur Propre. Oh, il est sublime, c'est exactement ça. Fais voir les mystères qu'il y a sous ton pagne. Oh là là, t'en fais voir, saute un peu, voir s'il y a des bouliches. Non, c'est bon, on porte un pagne. On porte un pagne, ça se respecte. Alors première chose à faire, apparemment il faut récupérer une gourde et une note. Il y a une gourde et un papier. Note griffonnée 3001. Note griffonnée sur un bout de papier mince. Est-ce que je peux le lire? Apparemment non, ok, très bien. Que du muscle, monsieur Lennon, que du muscle. Exactement, que de muscle. Outre étanche, et au fait, alors, on peut faire des pioches, on peut faire des trucs comme ça, ok, très bien. Alors, dès le début, donc, mon cher Fanfan, il faut qu'on se barre d'ici, parce que sinon la soif va nous buter. T'as récupéré ta gourde? Ouais, moi, je les ai pris, toi aussi? Eh ben, on se casse avant que les vautours arrivent, en fait. Donc, on sprint avec un petit zoom sur le moule cul, la qualitativité. Moi, je me dirige vers ce bâtiment. Là, on est clairement dans le désert. Est-ce de Stygie. Est-ce que t'entends la voix off aussi ou pas, toi? Oui, il me parlait, il expliquait. Eh, les branches par terre, faut les ramasser, mon petit Bob, c'est très important. Ah merde, ouais, bien joué. Très bien joué. On va récupérer tout ça. Voilà, je peux ramasser de la caillasse aussi. Des pierres. Donc, Bob Vision exclusivité, hein, on savait que ça vous ferait plaisir. Exactement, y a pas de soucis. Par contre, t'es parti où là? Parce que moi j'ai une voix off qui me parle depuis tout à l'heure. Bah oui, mais il t'explique l'histoire, il te dit que c'est compliqué, que voilà, que tu vas mourir, qu'on entend où, des créatures horribles. Bah moi je suis parti vers la grande structure, voilà. Je suis parti en haut de la grande structure, putain, on s'est déjà perdu. Je suis en train de chercher les branches d'arbres. Mais attends, elle est où la croix? Moi je suis près de la grande structure là, la muraille de Chine, j'y suis là. Ah je te vois là-bas, t'es au loin. C'est bon, j'arrive, je te rejoins mon amour. Roulons-nous dans le sable, nu et libre. Nu et terriblement libre, là, je te patate. Ah non, il me patate l'enculé. Ah bah c'est bien, on va pouvoir voir si ça marche. Hey, t'as vu, c'est sympa. Alors il paraît que le système de combat est super cool, notamment corps à corps, parce que t'as vu, t'as les deux mains déjà. Ah d'accord, oui, effectivement. Effectivement. On a une barre d'endurance. Est-ce qu'elle remonte? Elle remonte assez vite quand même, c'est assez alors, honnête. Bien sûr, le jeu est sorti il y a quelques jours et il a été beaucoup joué en stream. Hein. Ne vous inquiétez pas, vous avez certainement plus de connaissances que nous sur le sujet, mais ça va évoluer. Pas de soucis, hein. on va y arriver. Alors voyons voir, peuvent des graines, de la fibre végétale, j'en récupère plein. J'entends alors, des fabriquer. Créatures au loin. Ah, il nous faut de la caillasse. Il me et faut des... de la pierre, il me faut 5 pierres moi. Ah putain. Moi surtout ce que j'aimerais bien c'est trouver un corps d'eau, c'est-à-dire quitter ce désert parce que là il est bien beau le désert de Stygie, mais où sommes-nous? D'accord, on ne sait pas où on est, très bien, on n'a pas de localisation sur la map ou... Et dans pas longtemps je vais pouvoir me fabriquer une pioche. Moi aussi mais je suis perdu. Est-ce que tu as des branches? Voyons voir, est-ce que j'ai des branches? On n'est pas perdu Bob, on peut s'installer où on veut. J'ai 8 branches, est-ce que t'as des petits cailloux? Il y a des petits cailloux, tu peux te faire des pioches, ouais. Je vais me faire une pioche, je vais me fabriquer une pioche. En attente de fabrication, ok. Une pioche, tu peux casser la pierre, d'accord. Apprendre recette, fais voir. J'ai deux points disponibles. Alors a priori, tu peux aussi casser les arbres avec la pioche et du coup, ça te donne des branches. Mais en fait, si tu veux, selon l'outil et selon
disons, son optimisation par rapport à l'utilisation que tu en fais, et ben, le rendement de ce que tu vas récupérer sera d'accord. plus simplement. Et là, je suis en train de construire, je suis en train de comprendre que quand tu gagnes un level, tu gagnes à la fois un point de connaissance et un point d'XP. Le point de connaissance te permet de débloquer en fait une classe compétence. Là, je vais débloquer apprenti artisan, ce qui me permet de créer des hachettes en pierre si jamais, et de la ficelle. Voilà, il me reste un point de connaissance que je vais garder. Cependant, je vais mettre un point en survival. C'est quoi grit? En force. Un stamina, d'accord. Grit, c'est ton endurance. Voilà, c'est le grit, c'est le fait de grincer des dents et d'être balèze. C'est le fait de te prendre une balle dans le bide. Alors, prendre des recettes de base. Je pense que le feu, ça va être un peu essentiel, le feu de camp. Ouais, je vais débloquer. Agilité. J'apprends le feu de camp, moi, personnellement. Hein. Il me reste encore un point et apprendre artisan aussi, très important. Agilité, écoute. Ah bah super. Agilité. Super. Du coup, j'ai une outre étanche, de la ficelle. Ça se fabrique avec de la fibre. Ok. Ouais. Ok, bah d'accord. Moi j'ai bu un peu dans mon outre, mais il me reste encore une dose et ça régénère à peu près le quart de la soif en fait, mon cher Fanfan. T'es descendu où? Je suis juste là. Voilà. Okay. Par contre, du coup, regarde, est-ce que tu vois la passe là-bas entre les deux cailloux? Oui. Ouais, je propose qu'on y aille en fait. Ouais, et question, est-ce que tu as pu débloquer des recettes fabrication? J'ai débloqué la recette de la hache, de la hachette, et c'est ce que je vais me faire d'ailleurs. Hein. Je vais me faire une hachette, et non, j'ai pas, il me faut plus de brindilles, donc c'est pas grave. Allons-y. Ah. J'ai une pioche, c'est bien suffisant, mon cher Fanfan, allons-y. Ok, très bien. Non, moi aussi j'ai la pioche. Bon, pour l'instant, moi je suis ambiancé. Moi personnellement, visuellement ça me plaît. Ouais, bah écoute, on est à poil dans un désert. C'est peut-être mon homosexualité refoulée. Non, mais c'est Gods Will Be Watching. Ah, une oasis, regarde, ça y est, on arrive dans des endroits. Hop, je récupère de la fibre végétale. Ouais. C'est ça. Pense à récupérer de la fibre végétale. Et comment tu la récupères, la fibre végétale? Tu spams E sur les espèces de gros buissons. Mais en fait, je les ai mangés. Ah, fais chier. Donc moi, je spam E en fait sur tout ce qui existe. Ok. Voilà. Très bien. Il faut savoir que le loot a été augmenté très légèrement pour la bonne simple raison de la beauté. Oh. Alors, la vache bois, un storm là-bas. Attends. Tu te fais attaquer à ta gauche. Pas de panique. Aide-moi. Gouria, il est mort, bien joué, il est mort. On peut le looter, je crois. Attention, il y a une tortue ninja là-bas, mon cher Fanfan, donc fais attention. Alors, je récupère la peau de la viande sauvage des eaux en farmant son corps, t'as vu? Est-ce que tu veux que je te fasse une hache? Oui, même après, je peux peut-être même la faire moi-même. Hein. Non, j'ai de quoi te la fournir, regarde, j'ai le matos, j'ai tout ce qu'il faut. Ouais, je manque un peu de pierre. Regarde. Hop, regarde, je la drop. Alors, il faudrait faire une paillasse sans fibre. Je sais pas si tu es au courant. J'ai lâché, la paillasse, c'est le lit, ça te permet de respawn. Ça sert une seule fois. Voilà, j'ai lâché ma hache. Normalement, tu peux la récupérer. Ok, merci. Ouais. Ah putain, il me faut 20 pierres. Ah bah attends, je vais taper un peu de la caillasse. Est-ce qu'il y a un caillou que je peux taper? T'as entendu ce que je t'ai dit pour les lits, hein? Oui, juste c'est un plumard. Utilisation. Tout à fait. Ah putain, c'est super. Hop, j'ai récupéré plein de caillasses. Par contre, là, moi, j'ai des buissons, mais j'ai pas... Ah si, j'ai eu de la fibre. Putain, la caillasse, elle rentre super vite. Quand t'as une pierre, enfin une pioche... Les insectes, c'est à bouffer, hein, je suppose. Hein. Oui, j'imagine que tu peux t'en nourrir, bien sûr, y a pas de souci. Alors, la fibre, je prends tout ce que je peux, hein, parce qu'a priori, c'est quand même précieux. Bah, on peut se faire des slips, en fait, des tuniques grossières à partir de fibres. Bah déjà, le lit, hein, je pense, on va pouvoir faire. Hop, très bien. Mais dis donc, il sent bon ce petit LP là. Je vous invite à mettre un petit like si vous êtes hypé comme nous. Hop. Alors je vais augmenter un tout petit peu le son du jeu. Tac. 75, c'était bien. Bon, j'aime aussi le fait que on se fort tout dans le cul, hein. On n'a pas de sac à dos. Ah bah oui, normal. Par contre ça se bourre. Il y a aucun respect. Alors, du coup là on est bien. Moi j'aime surtout qu'il y ait monsieur propre. Alors par contre, le bois rentre vachement quand tu utilises une hache en fait. Quand tu utilises pas de hache dans le bois, enfin dans les arbres et tout ça, tu récupères genre très peu de bûches. Alors que dès que tu utilises une hache, les bûches elles rentrent. Donc super. Ah, j'ai gagné un niveau.
Félicitations. Un niveau que je mette en force et j'apprends les recettes. Apprendre aux recettes, ça va être apprenti maçon, ça va être parfait. Donc je prends tout ce qu'on a besoin au niveau de l'artisanat. Je suis désolé, le bébé, bon, il est en train de fatiguer. Normalement, vous ne devriez pas entendre. Je ne Attention, il y a une tortue géante de la mort. Ça, où ça, où ça. Oui, non, d'accord, d'accord. Mais la frite pas, elle est trop vénère. Je crois qu'on n'est pas assez fort. Non, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Ah putain, qu'est-ce que je disais? La frite pas. La frite et la tortue. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que j'aurais, si je l'avais frité, j'aurais peut-être gagné. Ah la vache. Putain, j'ai perdu ma hache. Frite là. Ouais, bien joué. Super. Ah, j'ai cassé ma hache et ma pioche. Bon, je suis mid life. J'en ai... Non, c'est pas grave. Je suis mid life. J'en ai bouffé plein la gueule. Est-ce que je peux la réparer? Ouais, j'ai récupéré 4 viandes savoureuses, ça valait le coup. La life, elle remonte légèrement, donc ça va. Bon, j'ai une quantité de bois qui est absolument astronomique, donc pour l'instant, tout va bien. Je vais boire mon eau. Voilà. Je vais même boire tout le reste de Alors, mon eau. Alors, le fait qu'on soit pas loin de l'eau, c'est pas mal, je pense, au niveau des gourdes. Ah bombes, oui, d'ailleurs, c'est... justement, il faut qu'on s'en approche. Et en fait, pour boire, il suffit qu'on se propulse dans un corps d'eau et qu'on appuie sur eux, quoi. Littéralement, qu'on boive. Bon. Donc pour l'instant, esquive les strums, esquive les wapiti. Les wapiti ont l'air très sympathiques. Moi, t'as vu qu'il y a un système d'esquive? Je sais pas comment. Ah oui, avec Mage, très bien. Non, le non, petit, je... Ouais, c'est ça avec Mage, ouais. Oh là là. Sur le côté. Ouais, donc attention. Oh là là. Attends, j'ai surtout un lag absolument moi aussi, c'est... incroyable. Ça y est, c'est bon, c'est revenu. Oh putain, merde, mais en qui fait... Ah là là. Qui Alors, est cette... mon petit qui a... sont ces y a personnes? Il y a du lag près de l'eau, il faut le savoir. Ouais, c'est un Comment bug. Comment ça, il y a du lac près de l'eau? Enfin, c'est mal optimisé près de la flotte. Tout va bien, tout va bien. Pardon, je t'en ai mis une. Ouais, c'est dommage. C'est dommage, ces autochtones. Sur celle qui a... hostile. Celle qui a les cheveux courts. Ouais, c'est ce que j'essaie. Celle qui a les cheveux courts. Ok, elle est tombée. C'est bon, elle est morte. On lui a pété un bras, T'as osé pisser dans Vas-y, sa flotte. Vas-y, gang. Oh la vache. Par contre, j'ai plus de vie. Je cours avant que je meure. Faut que tu l'achèves. Je la déglingue, Ah merde, y'en a un autre. Ah. Putain, ça y est. Me tape pas, hein. Ça y est. Tu me tapes. Ah non, c'est lui. Ah, je suis en... Ben non. C'est l'autochtone, mon cher fanfan, c'est l'autochtone. Et j'ai pas pu tuer la gonzesse, faut que je tue la gonzesse. Toi, t'es où? Viens avec moi, on va essayer de taper la gonzesse. La focus. Putain, c'est moi qui le focus en fait, donc essaie de les poursuivre. Merde, je l'ai tué la fille. J'essaie de poursuivre le gland. Vas-y. Ah merde, il m'a tué. Non, il t'a eu. Je vais te venger. Allez. Allez, tout à la pioche dans ta face, yes! Alors, qu'est-ce qui se passe quand je meurs? Voir davantage. J'ai été respawn juste à côté de toi. C'est étonnant. Tout piller, ouvrir. D'accord, bah très bien. Très bien. Bah, j'imagine que tu peux récupérer tout ce qui est sur toi. Désactiver le drop d'objets sur notre mort, chers amis. Je récupère la chair humaine, hein, ça peut servir. Okay. Sur moi-même. Je pense pas que. Bah, je pense pas que si on est pas cannibale, je pense pas qu'on puisse la manger en fait. Si on vénère pas le dieu de du cannibalisme, ça peut se gérer. Ou si on lui donne pas de la chair humaine, j'en sais rien, mais dans tous les cas, voilà quoi. Ce n'est que ma propre chair. Mange ma chair et bois mon sang. L'eau fait planter le jeu. D'accord, si tu te mets dans de la flotte et que t'appuies sur ta gourde, c'est-à-dire que t'appuies sur l'emplacement de gourde que t'as dans ta barre de menu rapide, tu la remplis. Donc voilà. Ouais, alors, et ça, l'eau ça effectivement fait planter. Donc je vais peut-être baisser les graphismes de l'eau, peut-être. Ouais, grave. Tu as grave, dit grave. 4. Et du coup, bah écoute. Non, t'as dit E. Bah non, moi c'est là où j'ai mis la l'eau en fait. C'est-à-dire, j'ai mis l'eau dans ma barre de menu rapide de Minecraft. Ouais, moi aussi, ouais. Voilà. Et donc elle est 1, 2, 3, 4. Et t'appuies sur l'emplacement qui fait de l'eau quand t'es dans de la flotte. Alors attends, parce que moi je peux pas changer d'item, je sais pas pourquoi. Aucune idée. Il y a des cailloux, est-ce que je peux approcher de ce feu? Est-ce que je peux faire quoi que ce soit avec ce feu? Si, t'as raison. En fait, quand tu bois, on voit pas que tu bois, c'est ça? Ça vide la gourde et ça la remplit sans que tu vois. Ok. Exactement. Comment on répare les objets, tu sais ou pas toi encore? Merde. Oui, j'ai vu ça. Attends une seconde, je drop des choses. J'entends des choses qui se battent, hein. C'est moi ou...
Je vais me faire aggro par une tortue, moi. Ouais, je vois. Ok, très bien. Bah écoute, j'arrive, je vais réparer ma hachette. Hop, voilà, et j'arrive. Putain, ouais, je me fais vraiment aggro. Dans le lit, ça serait pas du luxe, hein, quand même. Tu vas crever, saleté. Au. Tu l'as eu? Non. Oui, j'ai. Achève là. Ouais, bien joué. J'ai gagné le niveau. Bien joué. Fou. Alors. Eh ben putain, bon. Eh ben écoute, oui, effectivement, le lit, ce serait pas du luxe, mais une petite maison, un petit emplacement sur la côte, ouais, mais là, tu vois. Justement, à cause des bugs de flotte. Moi, j'aimais bien au cœur de. Ben, sur le pont. Moi, j'aime bien la sur ce promontoire avec oui, le grand arbre. Parce qu'il y a tout un côté, effectivement, qui est inaccessible à l'ennemi. Tout à fait. Et il y a donc on peut fuir. En plus, il y a un feu, c'est toi qui l'as fait le feu? Non, c'était le feu des PNJ, tu sais, qu'on est passé à côté et qu'on les a massacrés. D'accord, ok. Donc un petit village de. Non, mais tout va bien. Un petit village à la con. Est-ce que tu crois qu'on peut utiliser leur feu pour cuire nos viandes ou pas? Non. Je ne sais pas. Je ne pense pas. Tu veux construire ici, toi? Ouais, bah écoute, c'est mieux que rien. On peut regarder à 100 mètres de là, voir s'il y a plus de place, parce que leur feu va nous embêter en fait. Ok, parce que moi je vais partir sur apprenti maçon, hein. Attention. Et moi j'ai déjà fait direct. Apprenti maçon. Oh putain, il y a un genre de ghoul là. Ok, macro. Mercenaire, épée en pierre, bouclier en bois, apprenti artisan, archer, survivant expérimenté, outre étanche, okay, bon. Recette feu de camp, brut, brise crâne pierre. Torche, plastron léger, d'accord, ça me demande plus de niveau. Okay. Fausse de la colite de 7. Alors, niveau santé, je suis bon. Niveau eau, je suis bon aussi. Ouais, donc ici, tu dis non. Écoute. Moi, je débloque ma soeur. Ouais, mais j'ai plein de trucs à débloquer. La caisse aussi. En bois. Alors, j'ai qu'un niveau. On va mettre ça. Je débloque la caisse en bois et puis mon fanfan. Je vais commencer. Mon petit craft, on va être bien. Alors du bois, il me faut principalement de la pierre. Aïe, il me faut plus de pierre que ça. Il me faut énormément de pierre en fait. Et la pierre, c'est ce qui me manque vu que je n'ai que beaucoup de bois. Super. Il faudra de la ficelle. Vital. Le monsieur propre est parfait. J'apprends des recettes. Alors j'apprends comme recette l'arc, ça peut être très utile. Débloqué. Non, ça coûte combien? Ça coûte 2 pour débloquer un arc. Mais j'ai. Ah mais j'ai pas le niveau 5. Il faut le niveau 5. Niveau 3, mercenaire, bouclier, épée en pierre. Pas mal ça. Voilà, alors il y a un temps de craft en fait qui est assez long sur les idées. Ouais, j'imagine selon ce que tu as besoin. Alors fabriquer, il me manque un petit peu de ficelle. Il m'en faut 13. Super. Non, ça marche pas bien sûr. Pas de soucis. Bah écoute, je vais drop le bois. Parce que le bois c'est lourd. Je vais me faire un arc moi. Voilà, et on va aller. On va aller chercher des cailloux. Alors par contre, je vais commencer à mourir de faim. Il faut qu'avant que tu fasses un arc, il faut que tu fasses un petit feu de camp sur le promontoire sur lequel tu te tiens. Ouais, idéalement. T'as raison. Alors, petit feu de camp sur le promontoire. Alors il me manque, il faut 50 branches, c'est énorme. Hein. 50 il faut un paquet de branches, mon petit Bob. Ouais. J'ai beaucoup de bois. Sinon, tu peux manger des insectes si tu veux. J'ai beaucoup de bois. C'est dommage que le bois. Je peux t'enfiler. J'ai plein d'insectes à te filer si tu veux. Ah non, c'est bon, t'as raison. J'ai de la poignée d'insectes. C'est cool ça. Iu. Ouais, ça nourrit absolument pas. Ça nourrit alors, très peu, mon cher Fanfan. Alors, j'aimerais. Ultimement parlant, je pense pas qu'on puisse se sustenter uniquement avec des insectes. Non, il va nous falloir. Non, mais on a plein de viande, mais il faut la faire cuire. C'est ça. Sinon, elle va pourrir. Mais il nous faut juste un feu en fait. Ouais, il nous faut un feu, donc c'est des branches. Concentre-toi de trouver des branches. Je vais récupérer de la pierre. Voilà. Ok, on est quand même dans une zone où il y a du stremont. Hein. Oui, mais apparemment il y en a partout, donc c'est pas un grand mystère non plus. Ou alors tu penses qu'on peut s'installer plus loin dans une zone un peu moins hostile, peut-être vers le désert? Non, je pense qu'il y a pire. Hein. Je pense qu'il y a pire, là on a que des tortues, des petits. On arrive à les buter en niveau 1, ça peut aller. Bon, ça devrait bien se passer, t'as raison. Ok, il faut des pierres aussi, je récupère tout ça. Oh. Tout va bien. Bah allez, il est mort. Ok, nickel. Ah, il donne des os et de la peau. La question... Ouais, tout à fait, il faut les farmer, ces mecs. Tout à fait. Ok. La branche, x2. Par contre, la durabilité des items est complètement pourrave.
Ah, apparemment, j'ai l'impression que c'est pour AF quand tu t'en sers pour autre chose. C'est-à-dire quand je m'en sers pour piocher des ouais, des... ça l'abîme un peu à la Minecraft, tu veux dire. Ouais, non, mais ça l'abîme plus vite si tu t'en sers pour faire autre chose, c'est genre pour te battre, par exemple. Par contre, j'ai oublié, j'ai le regret d'annoncer. Je regrette d'annoncer qu'on va pas pouvoir s'installer ici parce que les PNJ repop. Ah merde, bon bah écoute, on se casse. On se casse. Regarde. Fuyons héroïquement, mon cher Fanfan. Parce que moi j'ai cru que c'était toi, tout simplement. Non, mais voilà quoi, je... Et regarde, l'île en face. Elle a l'air bien, cette île en face là. Ouais, carrément. Alors ça nous fait passer on par tente. La flotte et c'est foireux, mais. Voilà, ça se passe bien, mon perso. Hop. Alors ça dit à l'abri en haut à gauche, je sais pas si ça, si tu vois, mais... Ouais, donc a priori ça doit être une zone où t'es, où y a pas de problème. Ouais, peut-être. Ouais, peut-être il t'indique le niveau de danger. Ouais, j'imagine. Selon les zones. C'est cool, mais ça veut dire que cette zone... Ou alors c'est parce qu'on était dans la flotte et du coup on était littéralement en sécurité. Ah, oui, t'as raison. Il y a une grosse tortue. En tout cas, c'est sympa. Là, il y a des lapins. Il y a même des lapins. Non, elle est sympathique. Hey, là-bas, t'as vu, il y a une statue géante géniale. Où ça? Je l'ai pas vu. Chez vous, à l'horizon, près de la rivière. Allez. Sur la rivière, là-bas. Tu suis la rivière. Ah putain, il y a d'autres sauvages. Fuite. Lol, t'es déjà habillé, toi? Ouais, je me suis fringué. J'ai utilisé des fibres et est-ce que tu veux bien est-ce que tu veux bien qu'on s'en charge? Ouais, la dématée. Alors les Igariens. Voilà. Hein, tu lèves les bras, ça sert à quoi? Elle me démonte. Oh pardon. C'est pas grave. Putain, elle me provoque et elle me démonte. J'ai plus rien. Moi non plus, j'ai plus d'armes. J'ai plus d'endu moi non plus, donc je suis quasi mort là. Tel que je suis. Ouais, ça doit être ça aussi. Plus d'endurance, hop, je me suis mis dans la flotte, je suis à l'abri. En fait, on est à l'abri quand on est dans la flotte. Ouais, et là, a priori, elle bouge pas et je vais pouvoir la finir. Achève-la. Oh la vache. Ce qu'il y a, c'est que ma hache est niquée, je continue à taper avec. Donc je peux rien faire. C'est bon. Bah au pire, tape à la main quoi, t'arrives à la frapper. Alors encore un peu, ouais. Vas-y, tu l'as fait saigner. Vas-y, sèche-la. Vas-y, monsieur propre. Une gauche. Oh là 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 là, ce bruit de crâne qu'elle a fait quand tu l'as tué, c'était beau. Alors par contre, il va nous falloir un feu. Y a pas de discussion possible. Il va falloir qu'on s'installe quelque part et il nous faut un feu, mon cher Fanfan. Il nous faut un feu, il nous faut la nuit. Alors moi personnellement j'ai 50 branches mais j'ai pas 30 pierres. J'ai plein de pierres, il y a pas de soucis. J'ai 29 pierres, passe-les-moi. Attends, je suis en train de faire une torche parce que là on y voit pouic, mon cher Fanfan, soyons sincères. Voilà, je suis là. Je sais pas si tu me vois, Non, je vois rien. Bah, ouais d'accord, ici, ouais, voilà. D'accord. Ok, comme tu peux voir, il y a d'autres et feux. Et du coup, on s'installe où Il y a d'autres feux qui se déclenchent et on peut voir que, du coup, voilà. Moi, j'aime bien cet endroit là. Il y a des villages. Ici, pour faire une baraque? Bah, écoute, ou un feu déjà. En fait, moi, j'aimerais monter sur ce rocher. C'est pas vraiment plat. J'aimerais monter sur ce rocher. Là, je sais pas si tu le vois, mais une fois sur le rocher, on serait en sécurité là. Voilà. Si on arrive à construire dessus, ça serait cool, l'effet. Voilà, t'as vu, c'est. J'ai essayé de caler le feu là sur la gauche ici. Tu m'as filé les pierres ou pas? Mets-le plutôt sur le bord là. Et je vais poser les pierres au sol. Attention, bouge pas, je drop, voilà, là il y a un sac. Voilà, et cale-le plutôt ici, comme ça on pourra le voir de loin si jamais on oublie où on habite. Alors, taille colle, ok, donc c'est bien. Alors par contre, je suis trop plein, c'est oh pas là grave, là je vais fabriquer ce qu'il faut. Pagne, ce corps d'airain, mon cher Fanta. Ah oui, je t'excite. Hein. Oh là 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 là. Et c'est bien parce que là on entend les Storms qui se baladent, mais on est en sécurité. Parce qu'ils n'arrivent pas à monter en haut du truc, donc c'est plutôt pas mal. Ok, pardon, je t'allume. Alors, j'ai gagné un niveau pour cette chose. Je vais apprendre des recettes supplémentaires qui vont être celles-là. Ok, c'est bien. La progression feu, est plutôt cool le feu, avec le rythme fais qu'on le, a fait. Fais ouais. le feu, attends, je suis en train de mourir de faim. Ok. Fais le feu, alors, mets les points pendant que la viande cuit. L'organisation d'un homme, putain. Bon, c'est pas grave. Rajouter plus de force. De la vitalité, de la survivalité. Ici tu dis? Ouais. Ouais, ça y est.
Pas mal. Alors, tant qu'on n'est pas dans le même clan, malheureusement, tu pourras pas l'utiliser. Je vais mettre de la vraie viande à cuire un peu. Merde, c'est où ? D'abord. Un, c'est quoi ? Ah oui, deux, c'est la viande. Alors, deux, la viande. Voilà. Putain, fait chier. Ok. Comment en viande ? Attends, merde. une seconde. Avant que je meure, mon cher Fanfan, je t'invite à rejoindre le clan. Voilà. Si tu peux, parce que sinon je vais pas pouvoir utiliser le feu, je vais mourir en fait. Fanfan ? Ah. Ouais, tout à fait, tu m'as juste fait chier dans le projet. Je suis désolé, il faut. Comment je fais pour l'allumer le... Déjà en cours d'utilisation. Ah putain, c'est toi qui l'utilises. Il y a un bouton, je pense, voilà, allumé. Ça y est, c'est allumé. Super, tu peux mettre de la viande dedans. Ouais, c'est fait. Super. Déjà en cours d'utilisation, bon, je peux pas en servir. Du coup, dès que t'as un petit peu de viande, bon, s'il niveau te plaît. Viande. Là... Non mais là, il y en a plein. Ouais, mais je vais les viandes putrides qu'on va se débarrasser. Tiens, tu peux la regarder si tu veux. Ouais, putain, enfin. Oh, c'est beau ça. Oh, c'est beau. Alors attends, des graines. Hein, peut-être je peux manger des graines. Mais n'empêche, avec tout ce maquillage, tu fais peur, hein. Écoute, je fais ça juste pour être belle pour toi, mon cher Fanfan. Putain. Où est-ce qu'on voit la viande ? Tiens, il faut que je répare. Un steak grillé. Alléluia. Oh Dieu merci, ça change la vie. Saute dessus dès que tu pourras. Parce qu'il faut que tu manges toi aussi bientôt. Hein. Oh ouais, je... Ok, très Alors, bien. J'ai fait une erreur. En fait, j'ai créé une nouvelle pioche en pierre. Ah, il faut appuyer répare. D'accord, pour la réparer. Tiens, voilà, il y a de la viande là. Ok. Je vais te la drop. Voilà. Au sol, prends le sac, mange-le et puis nourris-toi. Et ah, ça va, la nuit est passée. C'était pas très long. Hein. C'était pas très long. Très bien. Bon, en tout cas, j'ai l'impression vraiment qu'il y a des ennemis partout. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, quoi qu'on pense. Donc, au bout d'un moment. Alors, ce qu'il nous faut déjà, c'est une fondation engrais. On va en fabriquer une. Ok, en tout cas, ça cuit bien. Rôti déchiqueté. Hop, je pose la torche. Ah, d'accord, putain. Ah, il va nous en falloir de la caillasse, mon cher Fanfan. La viande putride, on va la garder, on va l'acheter plus tard. Ça, c'est bon. Ouais, la caillasse, y a plein de trucs qu'on va avoir besoin, mais bon, l'épisode ne pourra pas faire malheureusement une heure. Je crois que ça fait déjà pas mal de temps. Ouais, j'ai l'impression. Hein. Oui, clairement. Mais ça fait un bon début d'épisode, j'ai envie de dire. On a survécu et passé la première un nuit. Bon début de série, ouais. Voilà, prochain épisode dans tous les cas, chers amis. On va tenter de se construire un petit hameau confortable pour moi et pour mon mari Fanta. On sera bien, on sera beau, on sera... Bah, j'ai gagné un level, donc moi, je me plains pas. J'ai gagné plein de levels, j'en ai 7. Voilà, donc on se plaint pas, on va mettre du level. On entend de la musique de combat, mais c'est pas grave. Oh, regarde, si, il y a un sauvage qui se ramène. Et alors, du coup, est-ce que tu veux regarder la statue que je t'ai dit ? Elle sert à rien. Elle est où là, cette statue ? En fait, il y a plein de bâtiments et de constructions gigantesques, et je pense que ce sont des donjons à explorer. Ouais, je pense aussi. Sauf que, est-ce qu'on s'installe là ? Parce que là, il y a un sauvage là qui est sur nous là et qui... Il est en slip. Non, mais pour l'instant, on s'installe pas, on récupère tout ce qu'on a besoin, on se stuff. Quand on aura épée, arc et tout le bordel, on verra où c'est qu'on va poser nos maisons. Je suis d'accord. Dans un endroit peinard. Faisons cela, mon cher Fanfan. Récupérons donc la viande une fois qu'elle sera cuite, ou plutôt récupérons la viande et tout le reste. On vous remercie pour ce premier épisode. Petit pouce bleu, abonnez-vous si vous en voulez plus. Hein. Nous, on vous en donnera avec grand plaisir. Et on vous dit à la prochaine avec Monsieur Propre. Allez, zou. Allez, bisous.